Et puis, même j'ai l'impression que cette image que tu as un petit peu cultivée, parce que comme tu l'expliques aujourd'hui, et je trouve bravo d'oser le dire, parce que c'est pas tout le monde qui ose faire ça, a fait que certains candidats de télé-réalité avec lesquels tu te retrouvais dans les programmes se disaient, mais elle, en fait, c'est la meuf qui va aller directement avec les mecs, quoi. C'est la chaudasse de service. Ah, ben ouais, mais de toute façon, on voit bien Beverly au début qui dit, elle a chaud, hein, la Yelena. Ça, tu l'as pris comment? Déjà, je vais te dire, moi, je prends tout, par exemple, déjà sur mon physique avec de l'autodérision. Je suis la première à me dire. Enfin, je suis la première à dire, ouais, si je reste trop au soleil en République dominicaine, mon produit va partir, quoi, tu vois. J'aurai plus de volume. Voilà, j'aurai plus de volume, je vais perdre un côté, ce sera moins épais. Enfin, tu vois, je suis la première à prendre de l'autodérision. Tu pouvais en prendre chez Paredes. ouais, bon. On en parle après de ça. On en parle après, j'ai même pas... Laisse tomber. Donc, du coup, c'est vrai. Ouais. À mon avis, ça doit pas être de la qualité, ce qu'elle a dans la bouche, mais bon, c'est pas grave. Je vais avoir pas mélangé. Et donc du coup, ben, c'est vrai que quand j'ai vu Beverly un petit peu qui m'a critiqué directement sur mon physique, ben, je t'avoue que j'étais un peu déçue sur le moment. Dès que j'ai vu les images, je me suis dit waouh, la fille on arrive, elle explique sa problématique. Je lui dis en plus, j'espère que ça va s'arranger, donc je suis gentille, j'arrive vraiment dans un super bon état d'esprit. Et en fait, je vois qu'on me critique sur mon physique, sur mon nez, sur ma bouche, sur ma plastique. Enfin, je trouve ça un peu mesquin. En plus de ça, ben, c'est pas comme si elle était toute naturelle non plus, tu vois. Elle a en fait se faire opérer la poitrine il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'elle a aussi peut-être son nez ou sa bouche de répète. Enfin, mais je m'en fiche en fait de qui refait quoi chez soi tant qu'on est heureux comme ça. Et je trouve ça mesquin de venir m'attaquer directement sur mon physique. Donc voilà, après je te dis, moi j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus. Les gens ils pensent ce qu'ils veulent, moi je suis très bien dans ma peau comme ça. Après pour ce qui est quand elle me tacle un peu sur ouais Yelena c'est une chaudasse et tout ça. Je suis comme ça, je suis quelqu'un d'extravagant. C'est quoi le contraire d'extravagant? Introverti. Voilà, je peux être introverti si je ne suis pas comme ça. Moi, voilà, je vais te lâcher un truc, je vais courir, mes lolos vont bouger dans tous les sens. Je vais les tenir en main, je vais faire « Ah, mes lolos, ça me fait mal, ils bougent dans tous les sens. » Parce que je ne me retiens pas, en fait. Je suis naturelle, que ce soit dans mes disputes, que ce soit dans mes pleurs, dans mes clashs, dans mes fous rires, je suis naturelle. Donc voilà, je fais pas attention, tu vois. Et puis moi, je pense pas caméra, je me dis pas il y a des caméras qui sont là, je dois dire ça pour faire un buzz par rapport aux caméras. Voilà, je parle comme je dois parler. Alors, juste une question avant que je te parle de Mathieu. Ouais. Je me suppose, tu sais, quand je t'ai vu là sur le tapis rouge hier, je me suis dit, ouais. Ça fait quelque chose ouais. Au postérieur. Je me suis dit, elle a mis un faux cul, elle a mis. Non. Déjà, est-ce qu'il est bien fait? C'est bien bombé. Ok, bah, c'est le but. écoute, bah oui, j'ai été ravie de faire mes fesses. Non, je ne me suis pas cachée, je me suis même filmée pendant mon opération, donc je suis partie faire mes fesses. Implant? Non, j'ai mis la graisse. Ah, ok. Ouais, j'ai mis la graisse, c'est très naturel, ça fait vraiment toucher, c'est tout mou. Donc j'ai mis de la graisse et voilà, normalement bientôt je pars mettre des facettes, parce que j'aimerais bien voilà, avoir les dents un peu plus droites, un peu plus petites et tout. Donc du coup, je pars bientôt mettre des facettes normalement et voilà, après normalement, logiquement, il ne me reste plus grand chose à faire. Il me reste plus grand chose à faire, donc j'espère. Qu'est-ce que tu vas trouver? J'aimerais bien peut-être faire encore une petite retouche à mon nez. On verra. Comme Beverly, Vivian dirait, j'ai le nez Michael Jackson, donc. Ils se demandaient comment tu faisais pour respirer. Voilà.